Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, il sera question de vous donner des explications sur la grande opportunité en crypto que je vous ai présentée par le biais d'un sondage qui d'ailleurs a été très favorable pour la grande majorité. Bien évidemment, si vous ne voulez rien rater et comprendre concrètement de quoi il sera question, car j'ai dit ce sera très intéressant, je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bienvenue sur Bitscrypto. Si tu es nouveau, sache qu'ici on parle de crypto-monnaie et de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Si tu veux approfondir tes connaissances en crypto-monnaie, je te propose la formation Bitscrypto. Il te suffit de cliquer sur le lien en bas de description pour avoir toutes les modalités d'acquisition. Tout comme si tu veux faire partie de la communauté, tu peux cliquer sur le lien en bas de description pour rejoindre le canal Telegram. Sans tarder, on va tout de suite rentrer dans le sujet. Quand les gens découvrent le marché crypto, le conseil qui a été, qui est et qui sera est éventuellement celui de préalablement se faire former avant d'investir quoi que ce soit dans le marché crypto. Ceci à cause de plusieurs raisons, potentiellement pour que vous soyez un investisseur aguerri, que vous fassiez moins d'erreurs, etc. Néanmoins, pour la grande majorité, ce n'est pas toujours évident à cause des réalités pécuniaires une fois de plus. Autrement dit, plusieurs personnes peinent à trouver des fonds pour acheter des formations de qualité, bien que ce soit ce qui devrait être fait. Tout ceci, rattaché au contexte bear market dans lequel est le marché, ça peut vraiment être compliqué de décider d'acheter une formation, quand bien même les personnes qui sont déjà dans le marché, eux sont en train de sortir. Il faut être franc, ce n'est tout simplement pas motivant. Dans un autre point de vue, pour toute personne ayant concrètement suivi le processus de formation, le bear market est une période propice pour éventuellement préparer le bull market. Au regard de tout ce qui précède, que peut-on faire pour trouver une solution, une action, une activité qui va bien évidemment prendre en compte la réalité de tout le monde? Bon les gars, c'est à cet instant que je vous propose mon idée. Ouais. J'ai donc décidé de créer un canal Telegram privé dans lequel on fera des activités suivantes. Je partagerai des crypto-monnaies à fort potentiel ayant fait l'objet de plusieurs analyses qui, elles, ont demandé plusieurs semaines et mois. Vous l'aurez compris, c'est sur le long terme que ces forts potentiels auront la capacité d'éventuellement montrer leur potentiel en leur prise de valeur, aussi bien sur le prix que sur leur avancée technologique. Ensuite, puisqu'à l'heure actuelle, les crypto-monnaies et la spéculation sont indélébiles, je partagerai donc des crypto-monnaies plus faibles, donc des crypto-monnaies spéculatives qui auront la faculté de prendre 1x2, 1x10 ou même 1x20, malgré le contexte de bear market du marché. C'est possible. Et bien évidemment, c'est possible non pas parce que je le dis, mais parce que je le fais. Après, il faudra être le plus rationnel que possible, car dans le bear market, bien qu'il y aurait des possibilités de saisine d'opportunités, il faudrait éventuellement comprendre que dans une période de congestion, généralement, rien ne se passe. De plus, il sera question pour moi de vous donner des informations capitales qui auraient la faculté d'impacter le cours d'une crypto-monnaie, aussi bien quand ça hausse qu'en ça baisse. Pour le cas en espèce, on a celui de Vitalik Buterin qui, après avoir asserté qu'il croyait aux blockchains telles que Solana, en l'occurrence des blockchains de type Layer 1, on a très vite Solana prendre quelques pourcents. Tout ceci à cause de la forme. Dans la forme, plusieurs personnes ont pensé éventuellement que Vitalik Buterin croyait en Solana. Mais dans le fond, il existe plusieurs types de blockchains tels que Solana, en l'occurrence des Layer 1, qui par conséquent à l'avenir pourraient être très importants dans l'écosystème crypto. Tout va dépendre de l'information, de la perception de l'information, de sa traduction et des impacts que l'information aura sur le marché. Enfin, il sera question de vous partager des stratégies propres qui jusqu'ici se trouvent être très efficace. Pour illustrer ce que je suis en train de dire, pour les personnes qui ont aussi bonne mémoire, souvenez-vous que 2 à 3 jours avant que Solana ne chute considérablement, j'ai fait une vidéo où je vous expliquais pourquoi j'ai vendu du Solana et du Algorand. Tout ceci lié au fait qu'après certaines informations, certaines analyses, on pourrait tout de suite recontextualiser certains projets et éventuellement prédire si ceci prendrait de la valeur ou perdrait de la valeur. Et à cet instant, après tout ce travail acharné d'analyse, on pourrait prendre des décisions qui seront efficaces, efficientes, optimales et très 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 sérieuses. Comme pouvez-vous le douter, toute cette prestation de service demande de l'énergie. Ça demande éventuellement un travail assez poussé. Comme on parle de crypto, comme on parle d'investissement, on parle éventuellement d'argent. Par conséquent, il faudrait être très 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 minutieux. En gros, faire ce travail, c'est potentiellement prendre un risque. Néanmoins, l'audace me vient du fait que tout dans la vie est une question de risque.
excepté toutes les acquisitions préalablement eues dans le marché crypto qui donneraient une certaine expérience. C'est donc dans le but d'aider tout le monde, des personnes qui potentiellement ont eu à investir dans certains projets, qui ont peut-être besoin d'un autre avis, mais comme éventuellement personne n'est un conseil financier, le fait par exemple de savoir qu'une autre personne aurait fait des analyses et qui serait plus ou moins concrète pourrait être plus ou moins une fois de plus rassurant. Par conséquent, je vous permets juste de bénéficier de mon expérience dans le marché. Cette expérience sera axée autour des points précédemment évoqués. L'initiative va durer toute la période du bear market et donc 2 ans pratiquement. Du coup, pour bénéficier de tous les services, de toute cette prestation, il suffira que vous puissiez tout simplement souscrire à l'abonnement. Par conséquent, cette souscription s'élève à 20$. Et bien évidemment, chez moi, le dollar, il est à 650. En l'occurrence, 13 000 francs CFA chaque fin du mois jusqu'à la fin du bear market. Précisons que c'est uniquement parce que vous avez répondu de manière favorable, à raison de plus de 60 personnes ayant répondu favorablement, que cette vidéo voit le jour. Néanmoins, cette initiative n'est pas absolue. Ça ne signifierait pas que parce que ce serait moi qui aurais fait des analyses, qu'éventuellement la situation du marché changerait ou encore certaines crypto-monnaies que je présenterai ne vont pas mourir. Que personne ne vous ment. Aucune personne ne possède des boules de cristal pour éventuellement savoir si une crypto-monnaie va tomber ou pas. Tout serait capable d'arriver. Néanmoins, ce n'est pas parce que tout est capable d'arriver qu'on va passer à côté des projets qui auront le potentiel d'éventuellement passer cette période de bear market et faire des belles prouesses au prochain bull market. Et donc, il n'est pas question de vous dire ici, achetez cette crypto-monnaie, je suis sûr qu'elle va exploser. Ce serait tout simplement du mensonge. C'est comme donner à quelqu'un 1 franc et vous voulez qu'il vous transforme ces 1 franc en 10 000$ en l'espace de 5 secondes. Maintenant que tout est dit de manière claire, il faudrait aussi préciser que vous n'êtes pas dans le canal à vie. Ça signifie que celui qui ne veut pas être dans le canal jusqu'à la fin du bear market pourrait tout simplement ne plus souscrire à l'abonnement dans le mois qui suivra pour éventuellement être retiré du canal. Les inscriptions débutent ce 9 janvier jusqu'à la fin du bear market. Pour vous inscrire, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en barre de description pour une fois de plus avoir toutes les modalités. J'espère que plusieurs personnes pourront profiter de cette offre une fois de plus. Bienvenue sur Ulysse Crypto. Peace out.